Oh, c'est beau. Voilà. Allez hop, on charge toutes les textures, on fait un tour sur soi-même. Parfait. Ok, c'est clair. Pour Victor, on se retrouve Bon, les canals de nous. alors. C'est ça, ouais. Ah bah, Canal 2. Le chef a craché. Ouais, Canal comme 2. ça on a le temps de faire l'inventaire et tout. Ouais, mais du coup, quand il va De toute façon, je pense qu'on va utiliser la radio intérieure, donc. Ouais, test 2. Alors. Ah, t'as l'air fait avec tes lunettes. Où qu'il est, mon la vieille. Dis-moi. Alpha leader check. Ah, mais je vais pas pouvoir. Ouais, c'est pas grave. Je vais le démonter quand même. Victor, check radio, parlez. T'as pas de sac à dos, Weldred? Ouais. Oui. Bien. C'est pas le nom. Bah. Ah, Skarlock? Prends la touche pour changer le canal. Contrôle Alt Caps Lock. Alt P. Alt P normalement. Alt P? Non, non, ça c'est sur TFR. Parce que toi tu l'as mis là-dessus, toi. Ah, d'accord, j'ai pas compris la question. Par défaut, c'est Contrôle Alt Caps Lock. Non, mais j'ai changé. Ça y est, j'ai retrouvé. On va rester là, je vais voir ce qu'il y a dans les véhicules là pour. Test radio, canal 2. Bien pris. T'as pas de sac à dos, Weldrid? Ben non. T'as du matériel de soin? J'ai 6 bandages gauze, 6 bandages baguette, 7 morphines. Alors, il y a du matériel dans Richback ici. On a qu'un seul missile de javelin? Oh putain, c'est des box de MG, les mauvaises. Il bah, y a des grenades à fusil. D'accord. Au niveau des bastos, pour vous, ça correspond à vos... le 5,56. Là, c'est pour ah, c'est du Stanag, ouais, ça passe, c'est du autant. T'as vérifié? Ouais, c'est bon, ça passe. Ok. Parce que tu sais, il suffit que ça soit une muni RHS ou une mini-cup, et puis hop, tu te fais vite avoir. Bon, vu qu'ils vont pas l'utiliser de Warzen, ouais. Ah non, c'est le Goya que je suis. On va en prendre et puis tu feras pas seulement, on va en prendre, on va le mettre dans le Warrior pour les dernières phases. J'ai pris la trousse sur les cales, c'est bon. Comme ça vous pourrez appro s'il faut. Quelques mines dans le Warrior. Je mets quelques chargeurs dans le Warrior pour la réappro d'infanterie. Est-ce que tu veux que j'en prenne d'autres à coup? Il y en a pas des masses en fait. Vois avec le grenadier s'il en a assez sur lui, sinon tu prends le reste et puis tu le mets dedans. On est trop où à coup les munitions à fond? Dans le Ridgeback. Dans le. Okay. Alors, comment ça marche cette merde? De Alpha Leader, check radio. Alpha, ici Victor, reçu pour éclair, je parle. J'ai reçu, mais je reçois pas le leader. Ouais, le leader apparemment a crashé, on va le retrouver dans quelques instants. Le leader sur 117 sur les ondes. Je suis fort éclair de Victor. Alpha. De leader, je suis prêt à recevoir les rapports en premier pour Victor. De Victor. Oui, c'est toi le tireur? Affirme. Ok, tu okay, sais comment t'as Victor, on a effectivement réussi à choper un missile supplémentaire négatif, dans un des véhicules. Sinon, ouais, un état reste, rapide, surtout pour les 30 mm. Basique. 40, je crois. Non, 30. Près de leader, confirmé missile pour Kalaté exactement. Un missile pour un missile Enlo et un missile Javelin. Alors, Javelin non. J'en ai 200. 230 mm. Confirmé un missile Enlo et Javelin. Affirmatif, j'ai 200 200 OV de 30 mm. Et j'ai 1200 Victor, pour la 240. Quel est le nombre de véhicules que vous pourrez alors traiter en fonction du nombre de roquettes que vous avez?
Répète le nombre de je vous donne cette, cette 22 réponse dans quelques instants. 1200. 1200, putain. Et 230 mm. Oh bah ok, on va se faire plaisir. Bah carrément. Alpha Leader, prêt pour rapport de mune. Passante Alpha, on attend pour Victor. Alors, est-ce qu'on entend bien dans ce véhicule? Ouais. Ouais, nickel. Ok. Ah, je peux même faire du... On peut même... Si tu peux t'exposer... Ah, non, je t'entends pas à coup. Non? Ah, j'entends super bien à coup, moi. C'est parce que je... Merde. Oui, ici Victor, parlez. Tu m'entends, Scarlock? Leader à l'écoute. Oui, donc on Scarlock, a... Scarlock, tu m'entends? Trois missiles... Non, je t'entends pas, je t'entends pas dans l'intercom. Parler. Merde. Bon. Là, tu vas m'entendre forcément. Donc, ça fait, donc vous pouvez traiter jusqu'à 80 ouais, D. Okay. Moi, je t'entends super bien. Bah, ouais. Je t'entends pas dans l'intercom, mais je t'entends à côté de moi. Est-ce que tu m'entends bien ou pas? Bah, pas aussi bien que Goya. Ok, je vais essayer, je vais essayer d'utiliser la 343 aussi régulièrement que possible. Alors. Ah, mais attends, je vais essayer de sortir, rentrer, ça va peut-être débugger le truc. Ah, j'avais le problème. Une fois sur un autre blindé. Si je retire mon casque, je remets. Ah, enlève tes bouchons d'oreille éventuellement. Alpha, vous avez reçu. Vas-y, parle à coup. Négatif, répétez. Coup. Non. Et donc pour Alpha, je suis prêt à recevoir votre rapport. Ok, on a 230 mm et 1200 cartouches 7.62. On a déjà eu ce problème la dernière fois, j'ai joué. Non, on a 200... Alpha, on a 200 explosifs 30 mm et 1200 cartouches de 7.62. T'es prêt pour Alpha. Ouais, en fait, sans les bouchons d'oreille, je t'entends mieux à coup. Je t'entends pas à l'intercom, mais comme t'es à côté de moi, ça va. Ok, tu me le dis, si jamais tu m'entends plus, tu me le dis, on basculera sur la 343. Non, mais c'est bon, là. Si c'est tout le temps comme ça, c'est bon. Qui peut s'exposer, là? Moi, je peux m'exposer. Ouais. Je peux m'exposer. Et j'ai même le Fire from Vehicle, moi. Alpha, j'écoute. Alors, en stand-by, le sniper va disposer les mortiers dans votre blindé, afin que vous puissiez nous l'amener sur point de vue. Ouais. Ok, reçu, pas de soucis. Pas de problème. Je fais un aller-retour. Ah, c'est cool, je pourrais jeter un petit coup d'œil en Fireform véhicule avec la lunette et tout. Ça va être pratique, ça. Ouais, ça va être fun, là, avec... J'ai une petite lunette sur mon truc, là. Ça va vraiment être fun. Avec votre gros truc blindé, merci, les gars. De rien. Ok, donc Alpha... On a le mortier ? Ouais. On va le porter pour eux. Alpha. Ah bon ? On prend le mortier ? Alpha. Vous pouvez dès maintenant faire route. On va juste le transporter. Et vous positionner en attendant en direction du point de vue. Vous n'avez pas autorisation de écrêter pour le moment. Alpha, c'est bien reçu, on se met en mouvement. Ok, fais chauffer. Tu vas prendre la route là, tu sors de la base. Victor. J'y vais. Ouais, vas-y. Victor, j'écoute. Ok. Dès que vous êtes prêt, attention, attention, il y a du monde hein, sur la route. Et à trouver une position. Ouais, à la limite, je vais sortir la tête. Ouais, tu peux. Je sens Victor moins bien qu'on est en route. Je vais te guider à la radio aussi, il faut. On va attendre qu'ils soient sortis là parce qu'ils sont sur le bord et puis tu vas suivre la route. Pour info, j'ai la thermique. Ouais, reçu. D'ailleurs, ici, Victor parle. Ok, vas-y, suis-les, on va les doubler, Victor, tu suis la route, on va passer à droite, ils vont on faire. On a laissé donc un missile de Javelin dans un des véhicules, impossible de partir avec, donc essayez de voir avec, afin de pouvoir nous apporter soutien si besoin.
t'es pris quel véhicule en question? Ouais, vas-y, double les roquettes. Sera unique. C'est dans le véhicule le plus à gauche, donc la Jeep. Courage les gars, courage! Land Rover, c'est noté. Yeah! Soyez forts les mecs, soyez forts! Okay. Gauche, droite? Gauche. Gauche. Prendre bien large pour pas les toucher. C'est bon, nickel, tu suis la route. Tu me dis hein, si tu veux qu'on aille plus vite. Ici, Victor. Ah, vas-y, tu peux y aller à fond là. Leader à l'écoute. Ok, suite des infos. Donc, le médecin signale qu'on est court en poche de sang ainsi qu'en épinéphrine. Ce sont des actes de soins qu'on n'est pas capable de délivrer. Parlez. Les prix de leader, l'infirmier, okay, pour effectuer donc des soins légers. Très bon, c'est prêt. Tu vas prendre l'azimut 40. Ouais, de Victor, correct, c'est terminé. On coupe. Non, tout droit, 40. Ouais, c'est ça, 40-40. On va suivre l'arrivée. Je vais rentrer. Voilà, comme ça. Ok, tu vas bien m'entendre, nickel. Si j'ai pas besoin de regarder sur les côtés là. De toute façon, je te guide, hein. Moi je suis à l'extérieur. Je dépasse. Ouais, attention, il y a des rochers devant toi, tourne à gauche. Vas-y, mute plein nord. Allez, il arrive pas à démarrer, gros veau. Ouais, nickel. Il y a un ponton juste en face, je crois qu'il y a du monde. Ah bon? Je sais pas. Tu vois... Non, tu vois personne? Je sais pas. Je vois pas de bouge pas la négatif. Tourelle. Ah. Ouais, non, y'a rien. Vas-y, continue. Continue, Scarlock. Je continue nord. Ouais. Je descends là, le long de l'eau? Ouais. Descends le long de l'eau. Tu vas longer la rive. Parce qu'à fond de coup, ça va être une galère. Fais gaffe à l'inertie. Nickel. Je pense que t'as la thermique aussi en tant que chef de bord. Ouais, j'ai regardé, je l'ai. Ah, okay, mais cool. Je suis tellement bien à l'air libre. Ok, tu peux partir sur un azimut 300, Scarlock. Azimut 300, parti. Ouais. Ouais, c'est vrai que là-bas il y a des. Attends, stop. Là-bas il y a des filets bizarres de l'autre côté. Ouais, j'ai regardé. Bah, tu les verras pas, ils sont derrière un mur, c'est azimut 30. Leader, azimut 30. Okay. On va regarder quand on sera sur les hauteurs. Je regarderai. Apparemment, ça a l'air vide. Vas-y, continue, Scarlock. Je suis reparti. T'es pris de leader. Je pensais que ça avait plus de patates que ça, Marion. Ok, tu vas pas perdre ton élan et tu vas prendre maintenant sud-ouest. Sud-ouest? Ouais, on monte. Ouais, allez. On va pas y arriver. Mais si, tout doucement, on va y arriver. C'est le mortier, c'est lourd. Pourquoi ils nous ont refilé son mortier? C'est des frites à la cantine, ouais. Ouais, mais le warrior ça mange pas aux frites. Tu vois que ça passe doucement, mais sûrement. Ouais, ça monte. On va bientôt arriver en haute crête. Comme 50 mètres. Je vois que du ciel bleu. Oriente bien ta tourelle, Goya. Reçu. Ok, tu fais une pause ici, je vais m'avertir au chef. Alpha leader. Leader à l'écoute. En position entre Yankee 1 et Yankee 2, prêt à franchir la crête, à exploser la tourelle au besoin. T'es prêt pour Alpha, reste en standby pour le moment. Ouais, t'as vu qu'il y a plein de filets de camo et tout sur le sur le 60. 60? Ok, juste 60. Mais y'a rien, c'est vide, tout vide. J'entends Fuckball. Il va venir chercher son petit mortier.
Ouais, j'ai pas de jumelles. C'est pas cool ça. Moi j'ai des JVN. Pas de trop à quoi ça peut servir. Ouais, pareil. Pour l'instant, j'ai aucune info. C'est vrai qu'il faut que je me tienne prêt. Prendre des notes, prendre des coordonnées, tout le bordel. Leader, ici Victor, parle. Leader, à l'écoute. Ok, donc premier rapport d'observation succinct. Avant hostile sur prison. En nombre assez conséquent. Tous les miradors sont occupés, ainsi que la présence d'un camion armé d'une mitrailleuse sur la prison. Avons également repéré groupe d'hostiles sur maison en ruine aux coordonnées 19, 19, secteur 5, unité 9, séparatif, unité 9, séparatif 5, qui sont en patrouille, patrouille courte, donc qui passent à peu près sur la maison toutes les minutes. Parlez. Le leader prit plusieurs patrouilles en mouvement autour de la prison, ainsi que dans Mirador, camion armé d'une doucette, corrigé si non exact, et ruine sur coordonnées 19-19 avec une patrouille en mouvement qui rejoint cette position fréquemment. Confirmé. Ouais, correct. Pris. Le leader, pour toute l'équipe, je vais préciser, je vais... je vais continuer la reco. Donc plusieurs hostiles, donc déjà sur la prison, un T55 sur coordonnées. T55 sur coordonnées 18-23, je répète 18-23, secteur 8, confirmé. Alpha copie. Correct pour le leader. Cette cible sera destinée aux blindés, donc à Alpha, pour Alpha. Vous aurez visuel que sur la tourelle. Vous aurez à l'ordre de faire feu sur cette cible en priorité. Pris pour Alpha. Copy. Alpha copy. L'ordre de pour l'éliminer sera donc de vous placer en fonction au nord, de point de vue, histoire de pas vous... histoire de vous... d'être à découvert un tout petit peu par rapport à la prison, et non sur le reste du secteur. Pris. Alpha, bien pris. Pour le moment, restez en stand-by. Précision sur, au niveau de l'INA. Barrage sur petit barrage avec patrouille immobile. Sur coordonnées 19-20, proche à proximité de l'intersection. Je répète, 19-20, barrage avec 3-4 hostiles immobiles. Confirmé, Victor. Barrage aux coordonnées 19-20. Parlez. Correct. Sur la carte ce qu'on me rapporte. Également, deux patrouilles. Ok. Patrouillant. Correction, trois patrouilles patrouillant dans le sens horaire autour de l'INA. À compter de. Mais toi, peut-être sur un autre canal. Hein. Ah ouais, je mets sur le canal véhicule. Alors, sur la patrouille sans horaire Lina, 3-4 hommes par patrouille parler. Correct. Vous voyez le point barrage ? Ouais, affirme. Et il y a un barrage. Coordonnées 17-20 sur Lina, extrémité est. Je répète, 17-20, secteur 25. 6. Présence de ce mur de sac avec deux patrouilles, deux, trois tangos, trois tangos immobiles. Quelque part, un camion. Fortification sur coordonnées 17-20 avec 3 camions de quelque abonnés. Part ici. Et. Yeah. De leader, c'est tout pour le moment. Qui fait bien pris pour Victor Turing. Des patrouilles à droite à gauche autour de l'INA.
Donc après, oui, premier objectif, ça va être le T-55. On va se mettre sur le flanc nord de point de vue, exposer la tourelle et on va traiter à 30 mm le T-55. Reçu. J'ai pas eu d'autres ordres pour l'instant. On pourra le voir malgré la colline 60. On verra, sinon on bougera un petit peu. Ils sont où là pour faire le reco? Victor, je sais pas exactement. Il doit être, je suppose, sur Yankee 3, quelque chose comme ça. Ouais, 280 à peu près. Ah, pour le camion, j'ai pas eu de coordonnées exactes. Je vais demander. 2 Alpha Victor. Il doit patienter, sauf urgence. Je les emporte, ils sont à côté. Ouais. Alpha à l'écoute. Négatif, message pour Victor. Victor, j'écoute. Et vous avez des coordonnées précises sur le camion 12-7 sur la prison. Terminé. Patientez, on vous donne ça dès que possible. Et leur mortier, ben non, toujours pas. Putain, on est pas votre mule, les mecs, quoi. Venez chercher votre mortier, quoi. Viens, on le dépose par terre, on se casse. D'ailleurs, les obus sont déjà dedans. Ouais. C'est un kit, c'est un sac ouais. Tout prêt. C'est, ouais, un petit sac avec... c'est un petit sac Alpha avec 6 obus. T'en parle. Alpha, l'écoute. Donc, les coordonnées du camion dans la prison sont prêtes à transmettre. Parlez. Ouais, prêt à recevoir. Ok, donc coordonnées 18, 23, secteur 6, entre les deux murs d'enceinte. Parlez. 18-23-6, reçu. Correct. Si Victor termine. Ok, donc le camion, il est ici. Il est exactement... Okay. Attends, je l'ai pas encore mis. Okay. Ici, bravo. Exactement. Victor, entre okay. Les deux murs. Leader à l'écoute. Ouais, ici Victor, sommes actuellement sur point Yankee 13. Aucune visu sur l'avant. Allons, c'est vrai. Ils sont sur Yankee 13 là. Ouais, il y a y a Fuckball qui arrive. Leader pour Victor bien pris, vous êtes en position sur Vas-y. Yankee 13, restez en stand-by. Tu m'entends Fuckball là? Ok, restons sur Yankee 13 en attendant. Ok, nickel. Vas-y, hein, le moteur est coupé donc. Alpha, répondez. Tant que tu l'entends pas allumer, c'est bon. Bon, il Alpha, est écoute. Pour Alpha, on va commencer à opérer le tir. Déjà, menace principale détectée, tel T-55, sur coordonnées 18-23, secteur 8. Ça sera la première menace à éliminer.
procédure pour l'éliminer, vous allez devoir donc vous positionner sur le flanc nord du point de vue afin d'acquérir visu sur T-55 et demander instruction avant de faire feu. Oui. Alpha reçu. Merci. Après, je vais juste me libérer un peu de place vu que vous avez de la place. Je vais mettre ça dans votre truc. Il a l'air gros, il y a de la place. Donc... Ah merde, je l'ai plus. Bon, tant pis. Allez, tout tard, les gars. Alors Victor. Ici Victor, pardon. Depuis Yankee 13, avez-vous visuel sur la ruine un petit peu continuer de Yankee 5 intérieur. Oh putain, ça pue les mecs, vous avez largué une caisse négatif. Ou quoi? Bon, visuel sur un. Bah oui, on va commencer. Faire tirer mes chaussures. C'est moi qui ai ravi. Je sens mieux les pédales comme ça. Victor négatif. revenez si possible sur Yankee 3 afin d'avoir un visuel sur du moins sur la route de Pharos qui traverse la forêt de Pharos et également avoir un visu sur la prison. À vous. Ouais, ici Victor, c'est bien reçu pour. Vous avez déjà vu le magazine des fans de cyclistes, le magazine qui s'appelle, le nom du magazine, c'est Pédale. Pour Victor, je continue donc instruction sur Yankee 3. Vous allez en librairie, regardez, le magazine s'appelle Pédale. Pour opérer un tir s'il y a un blindé qui convergerait en direction du Lina ou de la prison en direction de la base UK. Ouais, oui, j'ai rien contre les homos. Hein. Mais bon. Ouais, Victor, si c'est vous bien. Êtes homo, vous vexez pas, les gars. Alpha. Dites-le moi, j'arrête. Alpha, l'écoute. Qu'est-ce que ça donne? J'attendais l'ordre de mouvement, tu veux qu'on se dépasse donc? Affirmatif, vous pouvez dorénavant essayer d'avoir un visuel sur donc, le T-55. Oui, conducteur oriente dans la 325. Base, donc avoir un visuel mais pas faire feu. Ok, reçu, on se met en position avec visuel. Ok, avance, lente, en 325. Monte pas la crête, hein, monte pas la crête, tu restes sur le flanc droit. Ouais. Je monte hein, ouais. Non, tu montes pas. Aligne-toi azimut 330 plutôt du coup, 330. T'as une boussole? J'ai une boussole mais j'ai que les 4 points. Ok, va un peu à gauche, t'orientes. Ok, non là t'es bon. Ah, t'es bon. Avance. Ah mais si, attends, c'est écrit, je suis con. C'est écrit juste en dessous. Nickel. Bon, bah voilà, tu te mets en 330 et t'y vas. 330, voilà. Parfait. On va pas glisser, non. Non, t'inquiète. Hop, 315, oriente 315. Goya, t'oriente sur le flanc gauche, toi. Ouais, aussi, mais je suis dehors, là, pour le moment. Ok, je vais avoir besoin de je regarde... Ah, putain, fais gaffe, on a vu sur le truc. Hein. Je rentre. Ok, oriente... Scarlock, oriente 275. On est pas stable. Pas grave. Ouais, je peux pas baisser mon canon. Ouais, non, mais de toute façon, on n'est pas en bon visu là. Scarlock oriente 250. Ah, j'ai une patrouille au 289-290. Pas du RPG. Ah, si, RPG. Goya oriente 275. C'est là qu'il y aura ton T55 à nettoyer. Scarlock, avance lente. Tu as vu qu'au 290 j'ai une patrouille avec RPG. Hein. Ouais, c'est noté. Je vois rien du tout, hein, que du ciel. Ouais, pareil, il faudrait avancer un petit peu parce que je peux pas orienter mon. On voit rien à l'intérieur de cette merde. Ah, c'est bon. Scarlock, ah, c'est bon. Scarlock oriente 230. Ok, avance lente. Je crois que je suis embourbé. Ok, bah avance rapide alors. Je peux pas avancer. Recule un peu. Ok. Ah, c'est bon. Stop. De Alpha, leader. Leader, à l'écoute. Impossible de prendre visu sur la prison sans être en visuel de Lima. C'est bien pris. Donc dans ces cas-là, vous allez essayer de prendre position autour de Yankee 2 afin de prendre bonne hauteur
et de laisser passer donc la tourelle pour moins vous exposer puisque c'est pris. Alpha reçu. Scarlock oriente 135. Citrep. Avance lente. Ok, Victor, ça Goya, tu restes orienté sur l'objectif sur en 2,65, 2,75. Médiocre sur sud possible. Parlez. C'est pris, Victor. Maintenez votre position sur Yankee 3. Le Top, temps halt. Que le temps que Alpha conducteur oriente 280. Grande partie des forces ennemies sur zone, vous aurez à charge tout simplement de neutraliser la venue d'un blindé qui emprunterait la route Est-ce que tu vois le T-55 à travers Pharos. Négatif, je peux pas poser un problème. Tant que j'avance. Non, mais je veux juste. Victor, c'est bien pris. Pour l'instant, je suis bloqué. Bah, je peux pas baisser mon. Ah, okay. Là, tu dois pouvoir. Pour précision, tu finiras par le voir quand on avance. La neutralisation du T-55, nous passerons donc en phase 1, donc l'élimination. Non, mais cherche pas, bouge pas, Scarl, bouge pas. Donc on va privilégier le tir. Il aura le moment venu, je le sais. Parce que je l'ai. Le blindé, afin d'éliminer les forces. Ah, le mortier a également été déployé. Donc si besoin, vous pouvez donner. Envoyer des coordonnées pour qu'on puisse opérer des tirs. J'ai T-55 en visuel. Ok. On va se planquer et on repart après. Est-ce que je recule encore? Ouais, recule. Leader, elle écoute. Encore. Okay, on va lever le nez. C'est pas grave, on réavancera après. Stop. On y est en train. C'est bon, parfait. On remontera le moment venu. C'est lui confirmé, donc ZSU monté sur Ural, sur camion. Patientez, je demande confirmation. Ah, ils ont repéré un ZSU. Ah, un ZU plutôt. ZU sur camion. Le leader ici, Victor. Leader à l'écoute. Ouais, confirmé sur ça, si camion. De leader, c'est bien pris. Pouvez-vous donner coordonnées exactes? On va opérer un tir de mortier sur la cible afin de neutraliser et éviter de gaspiller une. Ok, avance, mets-toi en visu. Munition AT. Goya, tu dis quand t'es bon sur le T-55. Reçu. Prêt à recevoir? Vue visuel. 018. Et en plein dans la mire. Secteur. Distance, là, c'est 765. Parlez. Quoi, 765? Distance de 765. Confirmé, 018-023, secteur 6, entre les deux enceintes, l'enceinte extérieure. J'entends pas la même phrase. Intérieure. Je disais, confirmé. La tourelle du T-55, je l'ai à 765 mètres. À peu près visuel, entre le CLP et MaxSec. Peut-être que je règle mieux mon micro. Ça coupe, c'est ça? Quand je parle? Ouais. Ok. Ouais, affirme. De leader bien pris, précision plus l'enceinte où il y a les deux miradors, extrémité sud, confirmé. Ouais, oubliez la. T'as peut-être un zeroing automatique confirmé sur le mirador. Oui, j'ai un zeroing automatique. Le plus au sud et le mirador le plus à l'est, parlez. C'est bien pris de leader, merci. Oui. On va pouvoir opérer le tir donc sur cette coordonnée. Ouais, je l'ai, c'est à 65 mètres, moi aussi j'ai la distance. Alpha, Citrep. De Alpha, prêt à faire feu sur le T-55, on a un bon visuel sur la prison, mais on est aussi en visuel de Lima. RS, pas de visu ni sur les camions, ni sur aucun autre véhicule. De leader, c'est bien pris. Alpha, restez en position, d'ici une 30 secondes, vous allez commencer à ouvrir le feu. Le temps que le mortier se mette en position pour taper sur la coordonnée citée précédemment. Terminé. Dolph, est-ce que vous pouvez répéter la coordonnée du ZU sur camion? Pour Alpha, coordonnée 018-023, secteur 6, au niveau de l'enceinte de la prison où il y a le mirador sud et extrémité est. Oui, pour Alpha. Ok, bien reçu. Ok, donc le camion qui assure la prison, c'est pas un camion 12-7, c'est un camion ZU. Ils vont faire un tir de mortier dans la zone apparemment.
Par contre, apparemment, j'ai la possibilité de locker, mais là, il est pas locké. Ouais, je crois que c'est un peu merdique, ça. Locké ? Tiens. T'as des missiles ou quelque chose comme ça ? De Alpha Leader. Perçoit une tourelle de char sur Lima. Entre Lima 1-2 et Lima 5-4. Leader à l'écoute. De Alpha, visuel sur tourelle de char dans la ruelle entre Lima 1-2 et Lima 5-4. Répétez. Visuel sur tourelle de char à priorité 55 entre Lima 1-2 et Lima 5-4. Lima 1-2, Lima 5-4, c'est bien. Leader, c'est bien pris. Vous pouvez pour coordonner. Vous commencerez à opérer le feu sur donc le T-55 dans la prison et vous porterez donc vos tirs sur le deuxième cible spoté sur Lina. C'est pris pour Alpha. Alpha reçu. Une fois que les deux blindés ont été traités, vous reporterez le tir pour traiter infanterie au niveau de la prison. Oui. Alpha reçu. Précision, vous avez également évidemment de la fanterie au niveau du phare en coordonnées 18-25, secteur 8, au nord de la prison. Oui. Alpha vu et pris. Ok, en stand-by en attente de 20 secondes avant le feu. Ok, tu te cales dans feu dans 20 secondes, Goya, sur le T-55 de la prison. Reçu. Qui va à coup de 30 mm. Ensuite, après, je t'en assignerai un autre. Il y en a un autre que j'ai repéré sur Lima. Ok, je l'ai repéré aussi, mais faut un peu bouger parce qu'il y a des arbres qui me gênent. Leader pour Alpha, je te coupe, Victor, désolé. Prêt, Alpha, répondez. À ton ordre. Alpha, j'écoute. Nous allons opérer un tir de deux frappes de mortier sur la position du ZSU. Suite à l'impact, vous aurez ordre de faire feu et de neutraliser les deux blindés. Prêt. Reçu, on engage à l'impact. Ok, Alpha, Victor, essaie de te joindre. Allô, Victor, j'écoute. Ouais, ici Victor, on s'est informé que les miradors aux alentours de la prison sont peuplés d'hommes avec RPG. Parlez. De Alpha, c'est pris. On a une bonne vision thermique, donc on arrive à voir quels sont les plus gros dangers. Merci. Victor, nous opérons au mortier deux frappes ETA 30 secondes avant impact. Ok, à mon signal, Goya. Reçu. Tu me balanceras une salve de 10 pour commencer. Vas-y. Pas pété. Victor. C'est bon, détruit. La leader ici, Victor, frappe. On passe sur le suivant. Tir à azimut 260. Oui, de leader, c'était ce que je voulais savoir. 261 dans la ville, à 800 ouais. mètres. 870. Pareil, feu. Vas-y. Allez, encore. Voilà, détruit. Réoriente-toi vers la prison. Feu à volonté à la 762 sur toute infanterie. En priorité, tous ceux armés de tireurs RPG. Reçu. C'est feu à volonté, t'attends pas mon signal maintenant. Je vais communiquer avec le commandant. Alpha Leader. Leader, j'écoute. Confirmation, 2 T-55 détruits. Possiblement ZU détruit également. Pour Alpha.
Alpha confirmé, 2 T-55 détruits et ZSU détruit. Bien joli tir. Vous pouvez dorénavant éliminer les tangos hostiles donc sur la zone de prison. Je vais scanner à la recherche de RPG. Ah, j'en ai un là. Il est abattu. Tu vois le phare en 2,95 ? Leader pour Victor. Affirmatif. Balance-moi du 32 mm dessus, il y a un sniper sur les hauteurs. 30 mm, 295. Les cibles sont alertées donc à l'intérieur de l'INA, également sur le barrage. En coordonnées donc 19 020, et la patrouille qui est si au niveau de la rue. Mais il est sur la hauteur. 19. Oh joli, nickel. Bon bah c'est bon, tu peux retourner sur la prison. Si Victor c'est bon. Nique-moi le mec dans la guérite, azimut 279. Oui. Je te le bute. À la douce, ouais nickel. Bizarre, il y a le toit qui te protège, on dirait. Ouais, t'as un gros spray, tu tires au-dessus là en fait, je crois. Non ? Ouais. Ouais, tu tires derrière. Ouais, j'ai l'impression. En fait. Ouais, c'est mieux là. C'est bon. Ah, Mathieu. Ok, 286, yeah. Deux hommes dans les arbres, si tu les vois, sinon tu vas au 30 mm. 286, distance okay. 620 mètres. Vu, j'en ai un. Pas trop bas, trop haut. Vas-y, à la 30 mm, balance une salve. J'ai eu. J'ai essayé l'autre qui est devant, je le vois. Abattu. Ok, un mec à la sortie, azimut. Non, tu le verras plus, trop tard. 280, il est passé devant la palissade. Défile en droit, tu le verras pas, il est derrière le rocher. Mais Ok. Deux hommes, azimut 268, 740 mètres. Reçu. 268, visuel. Encore des hommes sur la gauche d'ailleurs, tu pourras aller fumer. Ouais, j'ai vu, ouais. Alors, je vais m'occuper des mecs. Il y a un troisième encore. Il y a un RPG dedans, essaie de le prendre en joue en priorité. C'est et celui qui est plus au fond. Celui qui est le plus à gauche, ouais. Plus à gauche, reçu. Entre les rochers, là, entre les trois glaces. Ouais. Ah, il bouge, les enfoirés. Balance de la 30 s'il faut. Reçu. Pente. Pas de frag sur les 30? Putain, ça leur fait rien ou quoi? Ah, si, quand même. Alors, je vais prendre le RPG là, il est là. Ok. Ok. Merci. Oh. Et je dors ici, Victor. Ok, Skirlock, orient 135, avance lente. Ça va. 135 dans le ouais. Moment, signalons avoir reçu des tirs 135, en provenance d'ouest sans avoir réussi à déterminer l'origine. Parlez. Ok, on va limiter un peu les. Ouais, on repasse à la 762. T'es pris, Leider. On peut être à court. Standby, j'établis un nouveau redéploiement pour vous. Tu me dis halt. Ok, tu vas faire halt maintenant. Ouais, tu vas te réorienter vers l'ouest et tu vas faire une avance lente à nouveau. Ouest ? Ouais. Victor. Oriente 266. Non, attends. Oriente 287. Pour Victor, nouveau redéploiement, vous êtes autorisé à vous déplacer en allant sur la ruine, ouais, ça doit être bon, activité de Yankee dedans, dans le taf.
Vous êtes autorisé à vous déplacer en passant par Yankee 13 et Yankee 12 sur la façade sud afin d'opérer le chemin de recours sur le flanc de colline sud. Tu voyais rien tout à l'heure? Village, ce que c'est pris. Pas grand chose. De Victor, ouais. Je suis carrément dans le camp. Attention, replie, replie. En arrière, en arrière. Retourne en arrière, en arrière, en arrière. Éclairer la face sud de l'île. C'est reçu, parlez. Ok, stop. Correct. Vous avez dit que vous avez trois contacts de zone qui se dirigent actuellement sur Yankee 5. Pas de risque, je vais avertir. C'est le ZU dans la ville qui nous a asmaté. Ok, donc pour Victor, vous avez également sur la face est de la ruine de Yankee 5, je vais repérer, un carcasse de Ural vous permettra d'avoir un couvert exposé et un visuel sur Yankee 5 et puis traiter les cibles. À vous. Je vais te demander long carcasse sur Ural est afin d'aider pour assaut sur Yankee 5. Pardon. Ok, Scarlock, oriente sud. Exact, correct. Sud. Ok, c'est reçu. Si on a l'ordre, on va bouger d'ici. Ok, avance lente. Pas de soucis, vous avez ordre de vous déplacer quand vous voulez. Oriente un peu à gauche. Stop. Tant bien. Ok, vas-y, avance lente. Alpha. Alpha. Ok, halt. Alpha, vous allez vous positionner afin d'avoir un visuel pour opérer des tirs sur Lina. Avant de tirer, je vais ordonner des frappes de mortier sur Lina, sur des positions de fortification. Au niveau de l'impact, vous serez autorisé à faire feu sur Lina. Pris. De Alpha, c'est pris, mais on a un petit contretemps. On a pris des tirs de, apparemment, ce qui devait être une position anti-aérienne, donc on a dû se replier un petit peu. On va essayer de s'exposer doucement, mais il se peut qu'on prenne des risques. Pour Alpha, c'est pris. Prenez pas de risque, vous avez juste besoin d'avoir un visuel sur Goya, excuse-moi. Et si possible également sur quoi, Yankee 5. Oriente 230. Yankee 5, coordonnées 260 sur Crête, ruine, à proximité de Yankee 5, on a des cibles Tango aux alentours, pris. 230. De Alpha, répétez. Sur cap 260 sur Crête, proximité de Yankee 5, nous avons une ruine. Il y a une minute, on avait des tangos sur zone. Vous avez essayé d'avoir un visuel afin de traiter les cibles pour libérer le. Pour que l'assaut se passe bien du côté de Victor. Oui. C'est reçu, on va se redéployer sur Yankee 1 pour être à l'abri du ZU dans ce cas. TP pour Alpha, ça me semble une bonne décision. Ok. Ok, Alpha terminé. Scarlock oriente. Attends. Yankee 1, on y est quasiment. Ouais, mais on n'est pas à plat, ça va faire chier. Je veux qu'on soit de l'autre côté de Yankee 1 pour qu'on puisse. Ok, alors Scarlock oriente 140. Avance. 140. Avance normal. Parfait. Parfait, parfait, vas-y, tu peux y aller. Un gros trou devant. Ouais, nickel. Descends dans le leader a tout le tout. Fais gaffe à ta descente. On organise deux frappes d'obus sur coordonnées 17-020. Oriente 260. 17-020 sur Lina, sur la route. Pardon, 17-020, secteur 6. Non. Ok, 260, tu montes. Ouais, mais c'est trop abrupt. L'angle est trop gros. Par en. Ouais, nickel. Voilà. Prends plus vers la droite alors à ce moment-là, d'accord. Je suis à fond. Ouais, ouais, t'inquiète, c'est bon. Putain, je me demande même si on n'irait pas sur Yankee 0. Pop. Oriente de 80. Nickel. Goya oriente 230. Monsieur, on va dépasser là, je crois. Ouais, vas-y doucement, je te dirai stop. Écoutez, top. 230. Bon. Normalement, on a cassé le visu avec le ZU, c'est bon, nickel.
Essaie de chercher des cibles en environ du... Pas baisser ma tourelle. Ouais, je m'en occupe. Je suis à la lunette. De ici, Victor. Pardon. Je trouve pas les cibles qui voulaient. Si je suis à un mètre devant, peut-être, ça sera bon. Attends. Pour l'instant, je suis exposé, je regarde à la lunette. Patientez. En fait, merde, maintenant on a des arbres devant, ça fait chier. Je vais essayer de basculer la thermique. En NDG c'est pas mal. Hein. Leader, nous procédons à 4 frappes sur même coordonnée. En NDG, ça se détache super bien. Et sur intersection, il y a super bien. Moi, j'utilise NVG plutôt que Alpha. Moi, c'est tout blanche. Ouais, moi aussi, elle est tout blanche. Les subtors avant les cibles. Ah ouais, même en réglant le contraste. Il y a NVG que t'as, c'est du FLIR. Bah c'est ouvert, je sais pas. Ouais, c'est un FLIR. Pris pour Victor. Ah d'accord. ça c'est nickel, hein. Franchement, tu vois super bien. Bah, c'est de l'infrarouge. Ah ok. Il y a un truc qui a pété devant. Ouais. Ouais, ils font tomber du mortier. De Alpha Leader. Leader à l'écoute. On est positionné entre Yankee 0 et Yankee 1, on a rompu la ligne de vision avec le ZU, par contre pas de visuel sur les ennemis suspensionnés et peur de tirailliers. Pour Alpha c'est pris. De là où je suis, aucun tango repéré aux alentours de Yankee 5 sur la ruine. Vous pouvez dorénavant opérer des tirs dans le village de Lila et éliminer l'infanterie ennemie. Pris Alpha. Alpha reçu. Ok, donc t'as pas de visu, il faut avancer un petit peu, Goya. Affirme. Ok, tu vas prendre un azimut 275, t'as le village. Feu à volonté sur toutes les cibles infanterie sur les toits. Tu peux avancer sur la direction de Goya. On a visu sur la ruine, donc sur Yankee 5. Pour l'instant, on a positionné des hommes. On va attendre que les batteries reviennent et on va les trouver. Ah, c'est bon. Là, ça devrait être bon, non? Le gars, le leader, non, c'est le gars positionné sur la... Je vais voir... Toujours pas... C'est pris, vous avez envie de... Pousse. Ouais, mais je dis que c'est... Fais une tape. C'est bon. C'est bon, sérieux? Ok, okay. J'engage les cibles, pas de soucis. Vas-y. Le leader, je répète la com, on était sous feu. Patrouille, alertée, repérée. Entre Yankee 6 et Yankee 5, se dirigeant sur le sud, c'est pris pour Victor. Plus haut. Yankee 5. Plus à gauche. Yankee 5, direction sud au sud. Ok, j'essaie de repérer les RPG. Ah, c'est bon, j'ai eu le mec sur le toit. T'as un RPG en 274 au fond du village. 274, visuel. 274 ? Ouais. Non ? Si il dépasse, tu vas peut-être pas le voir. Ah, je vois. Ouais, c'est lui. Il y a un RPG dans le dos, donc on lui fume sa gueule. C'est bon, je l'ai fumé. Quel. J'en ai un sur un toit, là, derrière un arbre, je vais essayer de l'avoir. Si, encore, je crois, il y a un mec, encore avec un RPG. J'en ai eu un. En 2,77. 2,77 reçu. RPG, au fond, derrière le village. À l'extérieur. Ok, vu. Je le vois. Parfait. En fait, on zeroing entre chaque tir. Ouais, t'as raison. Entre chaque cible, je veux dire. Parce que là, j'ai l'impression que ça tire bas. Ouais. Mais je peux faire que le zeroing avec le comment ça s'appelle le truc là. Avec tab? Moi, je fais avec tab. Victor. Ouais, exact. C'est bon. Victor, pardon. Ah, ça a l'air mieux. Voilà. Ok, d'accord. Vas-y, défonce-les tous alors du coup. Les cibles repérées précédemment entre Yankee 6 et Yankee 5 qui défilaient sud, je n'ai plus de visuel. Vous pouvez
procéder à... RPG au fond, 273 sur le haut de colline. Restez quand même vigilant sur pour défiler en droit, on ne pas. On n'a pas de... Si, je l'ai en visuel, bien sûr. Je l'ai perdu, je l'ai perdu. Victor, bien pour... RPG, 272, entrée de la ville. Reçu. Allongé, derrière le sac de sable. Loi. Merde, il a bougé cet enfoiré. N'hésite pas à y aller à la 30 mm hein, quand il faut, quand ils sont paqués comme ça. Ils sont, il n'y a pas d'alliés pour l'instant dans la ville. J'ai eu. Ah, ouais, voilà. Parfait. J'ai eu l'autre. Ah non, j'ai pas eu. Je vais avoir celui-là là. Hop, je l'ai là. Eu. On l'a retrouvé, le mec était en bout de crête là, en 274, 200... Non, il est parti de l'autre côté. Non. Ok, je vais voir celui-là là. Encore, ouais, celui-là aussi est un RPG. Ouh. Leader pour Alpha. Alpha. Nickel. Évitez pas... de trop gaspiller des munitions lourdes, gardez-les. On passe pour, à la 762. Blindés plus tard. Reçu. Un RPG qui s'approche de nous en 272, le premier qui est sorti de la ville et que t'as cru avoir abattu. 272, reçu. Alpha reçu. Oui. Et derrière les buissons, ce gros con. Ah, regarde, il repasse là, je crois. C'est lui. Des fois, on voit sa tête derrière un petit relief. Ouais, je le vois là. Attends, je vais faire mon 0. Il est en déplacement droit. Ok. Je vais m'exposer, je vais essayer de t'aider. Victor. Ah, ça y est, je les vois là. Ouais, Victor. Visuel sur deux tangos se dirigeant vers Yankee depuis, ah ben, depuis le nord. Je l'ai eu. Ouais, je crois que tu l'as eu. Répétez chiffre Yankee. Pardon, correction. Il y en a un là, il y en a un autre là. Juste à sa gauche. Abattu. Ah, il y en a un autre là, caché. Ouais. Et... T'as Skarmac qui n'en a pas trop. Il y en a encore quelques-uns là, à droite, c'est quoi. Ouais. Bah, tu fais ah, y'en a un là. Ouais, Victor, moi, c'est... Et on n'a pas d'ennemis à gauche à l'entrée du camp. Hein. D'allié, on a pas de d'alliés. D'alliés, oui, plutôt, oui. Attends, je vais demander leur position parce que sinon je sais pas où ils sont. Là, en 270, j'ai quelqu'un, mais je sais pas qui c'est. De Alpha, oui, Victor. Seul. Ok, j'ai un véhicule. Victor, parlez. Vos coordonnées, s'il vous plaît. Victor sur Yankee 5, parlez. Bien reçu, merci. Ils sont sur Yankee 5. Alpha, urgence. J'ai un véhicule technical en 273. Vas-y. BTR 40 défilant sur la partie est de en bas, un BTR 40 en bas là, tu vois. BTR 40 ouais, en bas. Il passe devant nous. Azimut 280, oui, avance un petit peu. Sur, proche de l'eau. On est engagé, je crois. Oui, je l'ai. Mets-lui du 30 mm à lui, hein. Ouais. Ah, c'est bon. Mais vas-y, désactive-le. Nickel, c'est parfait. Bon. Alpha BTR 40. T'es pris pour Alpha. Donc, les copains, ils sont sur Yankee 5, donc ils sont au sud-est de Lima. Je vais essayer de te donner un azimut. Parce que j'ai du monde Alpha. En 268 à 850 mètres. Il y a un mec là. Balade. Alors je vois des mecs de Victor ramper en 262. Donc si tu tires dans la zone, ça se peut que ce soit du tir ami. Vaut mieux les laisser s'occuper de. Reçu. Alpha, ah, j'écoute. Oui, je les vois. Tango repéré entre Yankees la ruine sur Yankee 5 et la carcasse. Ah putain, visuel, mec avec le RPG. Et de Alpha, besoin de précision, quelle carcasse? Ok, autant pour moi, la cible a été traitée. Garde les 30 mm, Goya. Il te reste combien là? Pour info,
une 126. Carcasse d'Ural, okay. En lisière de forêt de Pharos, à l'est de la ruine de Yankis. Je sais pas si je suis ici. Non, j'ai repéré le RPG là-bas. Alpha, copie, bon, pas de bisu. Ok. Sur la partie sud-est de la ruine de Yankee 5, en place donc des murets, des murs de pierre, c'est là où Victor est positionné, donc position alliée, prêt pour Alpha. Il y a un autre mec là. Alpha, bisu sur Victor. Ok, parfait. Ouvrez ce secteur-là afin de couvrir le Victor lors de la sécurisation de la ruine de Yankee 5. Terminé. Victor, assaut sur Yankee 5 en compte. Alpha. Alpha, c'est bien reçu. Je suis en train de spotter autour d'eux pour voir s'il y a du monde, mais je vois personne pour l'instant. Il y a un mec qui traîne au juste 270. Ennemi repéré sur l'ouest de Yankee 5 dans la forêt. Il se trouve entre Yankee 5 et la ville. Et Alpha, on est dessus. Super, merci Alpha. Vas-y, je l'ai eu, il a disparu dans les arbres, je le vois plus. Dans le doute, tu balances toujours une petite 30 mm à la fin. Tu sais, on sait jamais, tu vois, qui se couche, le mec qui se couche, puis après, bam, une petite 30 qui lui explose à la gueule, quoi. Voilà. Il y a un ennemi qui bouge, là. Je le vois, derrière un bâtiment. Ouais, je vais continuer à surveiller Victor, là, qui avance. Il est à côté de nous, le sniper? Ouais, il est sur la droite là. Il est sur Yankee. Hein. Ah, il est là, cet enfoiré. T'as encore un mec en azimut 270. 270. Tu dois bien le voir. Ah oui, c'est celui que j'ai vu tout à l'heure. Allez. J'ai essayé d'avoir tout à l'heure, ouais. On le nique. Si je l'ai eu, je le vois plus tourner. Ah ouais, putain, en fait on a des palmiers devant nous là. Je regarde où est-ce qu'il serait le mieux de se déplacer. Ok, il est toujours en vie cet enfoiré. Skirlock. Mais bon, je l'ai eu. L'idée, c'est Victor, parlez. Skirlock, oriente-toi 330. La baraque en ruine, ça m'a actuellement visu de Dinar, qui est à 202 de notre position. Parlez. Le leader s'est bien pris. C'est à partir de là que ça va se compliquer pour vous. Vous allez devoir, donc plusieurs axes d'approche, donc tels que Zulu, Whiskey, X-Ray, Tango. Le but, c'est tout simplement d'avoir un visuel, de commencer à traiter les potentielles cibles sur zone. C'est super stable. Afin de pouvoir dans la ville et, on tombe. Et de commencer la sécurisation de Lina, parce que c'est pris. Une marche arrière. Victor, bien pris pour les axes d'attaque. Ouais, mais pour l'instant, en mesure de mener cette Oriente sens inverse et remonte-nous en... sûr d'avoir une base de feu solide et extrême. Ah, si, on remonte là. Leader, c'est bien pris, vous privilégiez d'abord de... Allez, vas-y. De sécuriser la zone de Yankee 5, c'est bien pris. N'oubliez pas qu'on a des frappes de mortier, donc si position compliquée, vous pouvez donner coordonnées. Ça va, afin qu'on puisse neutraliser. Affirme. Okay. Terminé. Ok, halt. Pour info, là, je peux plus lever de canon. Ah, recule encore alors. Qui est visu sur les alliés en 264. Ce qui me fait chier, c'est ce ZU là, il faut que j'essaie de le repérer là. Celui qui nous a tiré dessus. Il est il y a une espèce d'hôtel là, il est à droite de l'hôtel dans l'angle. Il faudrait se déplacer un peu plus sur
On va se faire un peu plus sur le nord pour pouvoir la voir. Ouais. Et si lui il nous a, on est dans la merde. On verra après. Le chef est au courant qu'il y a un Zedu dans Ok, là c'est bon. Là c'est bon. Ouais, ouais. Tu penses pouvoir me donner une coordonnée dans la ville où tu l'as vu? Affirmatif. Ah, tu vas me la donner puis je vais la transmettre au commandant. Dans la ville. Je te la marque sur le. Leader comment, pour Alpha. Je la mets sur map? Ouais. Alpha l'écoute. Leader, si vous sentez un peu trop inutile, je vous laisse la liberté de vous déployer aux alentours de Yankee 1 et Yankee 2 afin de changer, d'avoir un autre axe visuel et de continuer à neutraliser les cibles. Oui. C'est pris de Alpha pour l'instant, on s'occupe de la couverture de Victor. Après, on pense se redéployer, mais il y a toujours cette histoire de Zedu. Je vous transmets les coordonnées précises dans un instant du Zedu. De leader, c'est bien pris. Si après, sur coordonnées, peut-être que on va pouvoir organiser un tir. T'es sûr que c'est via Victor. Il sera en phase visuelle du sud. Ah oui, il est là. Hein. Il est dans l'angle de là. Leader, les coordonnées. J'ai fait le fumer, on est parti. Ok. De Alpha, coordonnées a priori incertaines mais à vérifier. Coordonnées 017. Attendez. Donc, de Alpha, coordonnées entre L5-1 et L5-2. Le leader s'est bien pris donc ZSU en position sur coordonnées donc, entre L1-5 et L1-2 pris. Correction, L5-1 et L1-2, confirmé. Confirmé, Lima 5-1, Lima 5-2. Ok. Leader, c'est pris. Il y en a un qui tourne en leader, on va opérer donc un tir au mortier de on a personne deux à la sortie du village nord. Hein. Entre L5-1 et L5-2 afin de neutraliser le Z dessus. Et à la 762 si possible. On commence à être 665 balles en 762. Ouais, ok, d'accord. Il nous reste la moitié. Il me reste peut-être là. Il vous reste peut-être un chargeur. De Alpha pour leader pour état des munitions. Présenté. Et tu m'as dit qu'il restait 120, 130 pour Alpha en écoute sur le rapport 116. De Ok, on est arrivé à peu près à la moitié de nos capacités, tout calibre confondu. Le leader, c'est pris, c'est parfait. Je crois que Victor a touché les murs de la ville là. Je pense qu'on va se réorienter entre Yankee 1 et Yankee 2 pour un avis sur le Zedu et puis on va essayer de voir si on peut le traiter de main. Je crois qu'ils l'ont eu hein. On dirait ouais, qu'ils l'ont eu. Il y a un truc qui explose. Ah non, ils n'ont pas eu. Leader et Victor parlaient. Dans le rapport. Bien. T'as un mec Azimut 277. Ouais, attends, leader, je crois que j'ai Zedu en vue. Ok, vu ses traçants. Nous sommes actuellement sur le champ whisky. Si t'es sûr, à gauche de la fumée. On continue à gauche de la fumée. Il a côté de la fumée. C'est celui qui est bien clair. Ah, j'ai un mec là, attends, je vais goûter. On cache pas quelques ennemis. C'est ce que je viens de te dire. Ensuite, on étudiera la manière d'attaquer Lina. Parlez. Essaye d'y aller à la douce. Le leader pour Victor, c'est bien pris. Actuellement sur whisky, vous allez continuer sur l'ouest pour
vers la partie ouest. Pour le moment, on a opéré un tir de deux mortiers. On a neutralisé un véhicule non identifié. Je n'ai pas son identification. On a subi également un tir de ZSU, donc un tir de anti-aérien. Donc, confirmé, il y a encore un véhicule armé sur zone. On essaie d'identifier sa position. Ah putain, il se déplace. On a fait reçu pour véhicule armé sur zone. De victoire terminée. Il est là, c'est enculé. Il est là. Il est sur lui. Qu'est-ce, Carlock, oriente 30. 30. Ouais, on décroche. Ok. Ouais, 30 c'était de l'autre côté. Wow. Oh là. C'est bon, bouge plus, on va se remettre dans le bon chemin. Bouge plus. C'est bon. Oh, je touche c'est à bon. Rien. C'est bon, nickel. Allez, remonte en 40. Ah oui, t'en as eu chaud, quoi. Ah la vache. Ok, de Alpha Leader. Personne n'a rien vu, c'est bon. C'est Leader. Si vous voyez faire des backflips sur un flanc de montagne, c'est nous. Ils sont devant, hein, fais attention. Oriente 60. Il est devant, je préfère le chef. Pas autant le savoir, ça me rassure pas du tout. Vas-y, c'est bon, je te l'ai fait les contourner là. Salut les gars. Allez, vas-y. Non, descends pas trop. Hop, 293-40. Allez. Attention, il y a. C'est bon. Il y a peu de bois là. T'inquiète, j'ai guide. Voilà. 310. Top. Halt. Hop. Ok, t'en es en 250. Deux. Leader. Oh, on va se retaper la base. Ouais. Deux obus. Non, sur le centre du village, secteur. Ah, on a vu sur les obus. L5. Ah, ok. Donc, tu t'orientes pareil. Tu t'orientes 250. Combien ? Aussi, 250. Et avance, vas-y, avance, Scarlock, avance lente jusqu'à ce qu'on. Ouais. Jusqu'à ce que Goya te dise. Faut que je recule un peu pour prendre l'air. Vas-y, pas de soucis. Putain. Pas de puissance. Allez, vas-y, tu peux y arriver. Leader, recevons un tir mortier sur position ami. Tu peux y arriver. 263 même, tu peux prendre. Alors, il est où cet enculé de Zedu? Leader pour Victor, confirmez votre mission. Là, je peux pas baisser mon canon. Vas-y, bah avance encore un petit peu alors. Je vous laisse régler ça à deux. Position locale identifiée, avant un homme... Négatif. Perdu un homme. Ah, là c'est bon. De leader, c'est pris, nous allons juste opérer deux tirs de mortier au centre j'ai du village, le camion au centre visuel. De L5. Attention, il y a des potes sur Luma, donc on va faire gaffe là. Oui, je les vois, ils sont en hauteur. Le ZDU, j'ai pas de vue sur le ZDU. Leader, c'est Victor, fils de la ZDU, je suis caché par les. De la ville en 265, il doit être par là. Mais les palmiers me cachent la vue. Ouais, pareil. C'est pris de. Pour Victor. Et j'ai le pote qui sont rentrés. Victor, sont rentrés dans le village. Stabilisez-vous, une fois fait, repli sur Yankee 5. Il y a un mec en 263. Je sais pas si t'arrives à le voir. 263. Là, il est en 261, 260 défilement gauche. À 830 mètres. On dirait qu'il est tout seul et à mon avis, c'est peut-être une IA. J'arrive pas à savoir. Il se rapproche de nos collègues. C'est un ennemi, vas-y. Feu. Ok. Ça marche. Victor. Oh, je l'ai battu, je suis en parler. Il sera non, pas non, au non, il a ouais, RPG sur allez, au go, nord go, go. De Yankee 5 sur la ruine à 10 mètres. Oublie pas ton zeroing. Je répète. Tango et demi sur la face est de la ruine, Yankee 5, RPG. Je vais refaire ça moi-même. De l'état. Il bouge. Qu'est-ce qu'on entend hein? On se fait tirer dessus. C'est moi. Je suis à l'extérieur. Putain, comment on a pu le laisser passer celui-là, Goya? J'ai plus en visuel là. Ouais. Il y a pas mal de palmiers et j'ai plus en visuel. Bordel de merde.
Shot. Ah putain, ça y est. Merde, il s'est déplacé encore. Je vais essayer d'avoir. Potes, ils sont repliés. Ok. Ils se barrent. Ouais. D'Alpha leader. Là, je vais l'avoir peut-être. Tu tires trop en retard. Ah, santé. Essaye d'anticiper un peu plus. Il y a de la distance. Ok, laisse couler. A toute évité, bon. Donc on envoie deux frappes entre L5-2 et L5-3. Il est parti sur la base, notre base à nous. Ouais, Alpha l'écoute. Ok, et le contact isolé est parti sur notre base. Ah, Alpha, pour Alpha c'est pris, je vais envoyer le sniper afin qu'il puisse le traiter. Putain! Et il bouge! Ah, tu l'auras pas aux 30 mm, faut que tu le laisses à 762. Mais faut que tu l'en mettes plein la gueule quoi. Voilà! C'est comme ah, ça qu'on putain, fait! Foiré, bordel! Ok, de Alpha, leader, cible neutralisée. Alpha c'est pris. T'as un mec pour Alpha c'est pris. Azimut 268, tu le verras peut-être à la thermique sur un balcon. Oui. Leader ici Victor, pareil. Leader. Ouais, les mortiers tapent dans le village mais on est sous le feu quand même des projectiles hein. On reçoit pas mal d'éclats, parlez. C'est pris pour Victor. La tentative de ce bombardement et de tout simplement de neutraliser le possible ZSU qui nous a fait feu lors du dernier bombardement qui a fait pas mal de dégâts. On a une nouvelle du ZSU ? Non, ils essaient de l'avoir au mortier. Tu reconfirmes donc tes coordonnées ? Ah, je l'ai. Sois prêt à recevoir les instructions. Vas-y, donne-moi un azimut avant de tirer. Attends, je vais. Bon Victor, vous allez vous déplacer mec, en direction depuis. Allez, c'est urgent le ZDU là. Essayez de taper sur. Le ZDU, je l'ai pas en visuel. Sinon, il doit être en 265 derrière les palmiers à 770 mètres. Ok, d'accord. Leader pour Victor, reçu. Ouais, ici Victor, c'est reçu. Donc, base d'assaut Yankee 5, direction Lina depuis sud. Exact. Scarlock, prépare-toi à faire marche arrière. Goya, fais feu au 30 mm sur le ZU, tu me balances 20 ou 30. 20-30 greux dans sa gueule. Ok, j'en ai plus que 104 là, attention. Ouais, bah alors plutôt une dizaine pour commencer. Ok. De Alpha leader. Leader pour Alpha, l'écoute. Il y a une hauteur dessus là. Ouais, ouais. Je recule. Non, ça va, ça va. Non, c'est bon. On essaie de faire un tir de. Un tir de... à l'aveugle à travers les palmiers sur le ZDU, on a. Un secteur. Oh putain! Oh putain, oh, shit! Merde. Putain, il nous a buté. Putain. Il faudrait que j'avais eu là. Le putain, tir, c'est un tir! C'était autre un chose. Tir, non, tir. C'était autre chose là. Non, ouais. j'ai vu la traçante arriver. Goya a dû la voir aussi, je pense. Ah ouais, je l'ai vu, nickel aussi la traçante verte là. Je l'ai vu la traçante aussi, y'a pas de soucis, hein. Putain. Oh, une traçante, elle nous a one shot quoi. Non mais c'est autre chose, c'est pas possible. C'était quoi ce truc, putain, c'est pas vrai. Nom de Dieu, bordel. Je vais aller voir ce que c'est là. C'est pas non, possible. Ça peut pas une trace, ça peut pas être un ZDSU qui nous. Ah, ils ont des cartouches explosives, mais enfin, ouais, je sais pas, ça me semble bizarre aussi. Non. Putain, j'arrive pas à cliquer sur la carte. Là. Ça fait chier. C'est un obus de quelque chose ou. Faut qu'ils te mettent en. C'est bon, c'est bon. En. Ouais, ah putain, en traçant c'est, vert, c'est, le BMP, bizarre, c'est le BMP qui nous a tiré dessus, c'est pas le ZDU. Le ZDU, il est. C'est un BMP. Sur quoi tu tirais, Goya? Je crois. J'ai vu un truc exploser,
Je me suis dit putain, je l'ai eu, et c'est juste après, on a eu la traçante et on est mort. Ouais, non, regarde, c'est le Zedu, ils l'ont fumé, il était sur le camion, le Zedu. Ils l'ont fumé, c'est le BMP qui nous a tiré dessus. Juste devant. Putain, ouais. Cet enculé. Putain, j'arrive pas à y aller. Ah, du coup, c'était pas les traçantes qui nous a balancé, c'est carrément de l'obus quoi qui nous a balancé. Ah ouais, c'est un obus. Donc c'est pour ça qu'on a explosé comme des grosses merdes. Et puis en plus, il est bien caché. Enfin, bien caché derrière ces sacs de sable. On l'a cherché en même temps. Hein. Putain, comment on l'a cherché? On lui a cherché la merde. Ah, mais c'est même pire que ça. Il a des roquettes, je sais pas quoi là. Ouais, il a une espèce de métisse bizarre. Ouais. Tu vois? Ouais, mais c'est pas ça qui nous a balancé. Hein. C'est. Non, mais. Il nous a tiré au canon. Hein. Je sais pas comment il nous a vu avec tous ces. Ah, oh, bah écoute, hein, au début, il nous voyait pas. Hein. Les palmiers. Hein. Putain, on a joué avec un BMP, on aurait pas dû. On a fait jouer avec plus fort que nous.